Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Grafana. Aujourd'hui, on va faire une brève vidéo dédiée aux teams et aux users. Ça va être très simple. Alors attention, par défaut, première chose, le user par défaut sur Grafana, quand on installe le serveur, c'est admin et le password admin. Donc c'est une brèche potentielle de sécurité si vous ne gérez pas ce user. Donc l'idéal, c'est quoi? C'est de créer un nouveau user avec un niveau admin et de supprimer cet ancien user admin pour éviter les failles importantes de sécurité. Parce que là, on donne carrément les droits d'administration. Donc, un user, lui, va pouvoir disposer de différents rôles. Donc, ces rôles, c'est quoi? Le rôle par défaut, quoi? Le rôle maximum, c'est admin, hein, donc celui qui est créé par défaut sur Grafana. Ensuite, le deuxième niveau, c'est quoi? Editor. Donc là, on n'a pas l'accès à l'administration du serveur, mais on a l'accès à l'édition des dashboards et à la visualisation des dashboards. L'admin, lui, avait le droit à tout. Et le viewer, lui, n'a accès simplement qu'à la visualisation des dashboards et ne peut même pas en créer ou en modifier. Les teams, donc eux, ce sont des sortes de groupes pour lesquels on va pouvoir affecter des settings par défaut, notamment le dashboard par défaut, la couleur ou la time zone. Donc ça peut être donc un exemple très simple. On a différentes équipes, une équipe front, une équipe back, une équipe sysadmin par exemple. Eh bien, on va créer une teams front, back et sysadmin. Et à ce moment-là, on va affecter les users qui correspondent dedans. Et on va créer des dashboards, donc un dashboard dédié au front, un dashboard dédié au back et un au sysadmin. Et à ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour que chaque team, c'était le dashboard d'accueil et dire que le dashboard par défaut, c'est celui, par exemple, pour la team front, ce sera le dashboard front et pour la team back, le dashboard back, etc., etc. Voilà, donc on va faire la petite démo rapide. On se rend ici, donc par défaut, quand on arrive sur notre interface, soit on clique sur Add User, soit on se rend ici, on clique sur Users. Là, je suis administrateur, donc j'ai les droits pour créer un user, donc je clique sur Invite. Je vais affecter un username ou un mail. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre un mail fictif, .fr, voilà, comme ceci. Je vais lui donner un nom, par exemple, donc Usavki, voilà. Et je vais lui donner des droits de viewer. Donc, j'enlève le fait qu'il envoie l'invite à un mail, puisque le mail en question n'existe pas de toute façon, et j'envoie l'invite. Alors ce qui se passe, c'est que par défaut, vous voyez ici, on a deux onglets. Pour l'instant, mon user n'est pas encore existant, donc il est dans le pending invite ici, donc j'en ai un, donc j'ai mon user, je copie l'invite en question, je peux me déloquer du coup de mon compte d'admin, et puis je vais me reloquer avec donc l'invite que j'ai copié-collé. Donc c'est un token, hein, donc directement il va me proposer de rentrer un password pour le user en question, donc .59.2. Ici vous voyez, donc j'arrive bien directement sur mon user, j'ai mon username qui par défaut est Xavki, que je peux aller modifier, et je vais aller lui rentrer un password. Hop, voilà. Donc là, je suis logué en tant que Xavki. Donc pas de souci. Si je me délogue ici, par défaut, je tape Xavki et je tape mon password. Hop, je reviens au même endroit. Là, derrière, là, j'ai que la possibilité. Vous voyez que je ne peux pas administrer sur le serveur grand-chose. Et si je me rends ici, je ne peux que manager les dashboards. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de dashboard, donc je ne peux rien faire. Donc je suis complètement bloqué parce que je suis viewer, hein, donc c'est assez logique. Voilà, donc quelque chose d'assez assez pratique pour gérer les droits. Vous avez vu quand même, petit rappel, quand on a saisi l'invite tout à l'heure, j'ai été modifier le username. Si vous ne modifiez pas le username, le login se fera sur la base du mail en question. Donc même si c'est un mail fictif, ce sera sur la base du mail. Donc faites très attention à ça. Autre élément, donc on peut coupler notre Grafana à un LDAP très facilement. Donc on se connecte sur /grafana/grafana-init et on peut aller chercher donc LDAP dans la configuration, et vous voyez qu'ici on a un bloc dédié à LDAP, notamment ici il indique que la configuration du LDAP, donc on l'active à true, et que la configuration elle se fait via un autre fichier qui s'appelle le LDAP.toml. Donc je sais pas s'il est déjà disponible. Voilà, il est ici, donc il y a déjà la trame du LDAP.toml, et on retrouve ici les choses assez classiques avec les groupes LDAP, etc. etc. Voilà pour ça. Donc les teams,
Le principe des Teams, donc je vous l'expliquais brièvement tout à l'heure. Si je me relogue en tant que admin, tout ça on skip. Je me rends dans la partie users ici. Je vais pouvoir aller créer une Teams. Donc je clique sur New Teams. Celle-ci, ben, je vais pouvoir lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Teams Front par exemple. Et potentiellement, je peux lui donner, alors je crois que c'est optionnel, voilà, un mail pour un mail d'équipe. Donc là, je clique sur Create. Donc du coup, j'ai ma Teams. Donc là, je suis dans ma Teams Front. Hein. Si je reclique sur Teams, ici, je reviens sur la partie Teams. Je suis sur ma Teams Front. Si je clique sur Add User, potentiellement, je peux aller sélectionner un user, le user XavKey, l'affecter à la Teams Front. Voilà. La Teams en question, donc là, je suis dans la Teams. Hein. Donc quand on revient ici, je clique sur Teams, j'affiche mes Teams. Je clique la Teams en question et je peux aller modifier, vous voyez, les settings de cette Teams et dire que bah, l'interface, par exemple, c'est du light et c'est pas du dark. Le dashboard par défaut, là, en l'occurrence, j'ai pas de dashboard, mais je pourrais setter le dashboard par défaut et la time zone par défaut. Donc, c'est très léger. Donc, on sauvegarde. Là, en l'occurrence, donc si je me délogue, hop, voilà, donc je me relogue ensuite en tant que XavKey. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que j'arrive bien avec une interface qui est une interface de type light et pas dark. Mais je peux, comme je suis un user, non pas changer au niveau de la Teams, mais cette fois-ci à mon niveau à moi en tant que user, je peux aller changer aussi mes préférences ici et aller dire non, ben, finalement, même si je suis dans la Team Front, je veux du dark. Et même si je suis dans la Team Front, je peux dire je veux le dashboard par défaut, un autre dashboard que celui de la Team. Voilà, donc quelque chose d'assez assez important. Important, mais vous voyez, la Teams, bon, c'est de l'ordre de, on va dire, du confort. Enfin, c'est pas forcément essentiel dans le fonctionnement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre de la chaîne. N'oubliez pas que vous avez également le Tipeee si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt sur XavKey.